Salut. Voilà, donc c'est Wow. une intervention riche en émotions et en motivation. Mes batteries qui sont pleines pour me mobiliser par rapport à ça, en tout cas. 2023, pour 2023. Bon, bah, je laisse le floor à Mathias et Ok. Jem. Bye bye. Ok, avant de mettre Jem à l'écran, je vais la présenter. Jeanne à l'écran, c'est donc on a invité quelqu'un aujourd'hui pour notre chronique culture qui va elle-même faire la chronique et présenter son travail. Il s'agit de Jeanne Loué qui est scénographe, costumière. Donc c'est ce qui consiste à designer, à réaliser des décors et des costumes. Jeanne est née à Paris, mais elle habite depuis 10 ans à Berlin, où elle a étudié à la UdK, l'Université der Kunst, l'Université des Arts de Berlin. Et depuis 2018, elle travaille comme scénographe et costumière indépendante. Elle a déjà travaillé dans différents théâtres à Berlin, dans des productions du Maxime Gorki Théâtre, du Schaubau de Berlin et puis du Grips Theater, qui est aussi un théâtre spécialisé pour le public jeune, pour le jeune public. Et puis elle a également travaillé dans le cinéma où elle a co-réalisé les décors du film Das melancholische Mädchen qui a remporté un prix au festival Max Ophüls en 2019. Voilà. Et dans ses études, Jeanne n'a pas seulement étudié, mais elle a également milité, comme maintenant, aujourd'hui. Et à l'UdK, où elle a été déléguée à la parité et aux femmes du département art du spectacle de l'université. Et c'est dans ce cadre-là qu'elle a co-créé la conférence Performance de la féminité dans les arts du spectacle. En allemand, ça donne Performance von Weiblichkeit in den darstellenden Künsten. Voilà, donc ce qui interroge les arts du spectacle sous le prisme du genre et qui a lieu tous les 2 ans à l'Université des Arts de Berlin. Donc la prochaine édition, c'est 2024, sur laquelle ils sont déjà en train de travailler, ou elles sont déjà, ou ils. Et en ce moment, elle travaille également dans un projet de théâtre participatif avec des adolescents, dans un théâtre de la Spandau, c'est un quartier périphérique de Berlin. Et puis récemment, elle a réalisé les costumes pour la pièce I Love EU, ou UE, enfin l'Union européenne, au English Theater de Berlin. Et c'est justement de cette pièce que Jeanne va nous parler. Alors, bonjour Jeanne, j'espère que ça a été la présentation, tu t'es reconnue. Tout à fait, merci beaucoup. Super. Super. Du coup, je me lance. Donc, Alors, ce soir, je vais. Oui. non, lance-toi, pardon, excuse-moi. Ok. Voilà, donc moi, je vais vous. Notamment de disparités sociales qui existent au sein de l'Union européenne et qui sont créées, en fait, par les politiques de l'Union. Et donc, je pense que c'est un constat qu'on est beaucoup à partager. Et du coup, le projet de cette pièce, c'est d'examiner l'Union européenne, les promesses qu'elle fait et les mesurer à la réalité à travers le théâtre. Et donc, pour commencer, j'ai préparé une vidéo avec des extraits de la pièce, puisque je pense que le mieux, c'est de vous montrer en fait ce qu'on a fait. Donc, j'avais pas encore les vidéos de la captation off professionnelle réalisées. Du coup, c'est des vidéos que j'ai eu le droit de prendre pendant une des représentations. Donc j'espère qu'on verra et qu'on entendra quand même bien. Et du coup, Mathias, bah, je te laisse passer cette première vidéo. Voilà. Alors. I was born and raised in a dictatorship, and I lost my father when I was 5. Growing up with a single mother gave me a very special perspective as a boy. And when I showed the first sign of puberty, I was expelled from the female universe and thrown into the male universe because it's a gender segregated society. I felt like a stranger, and this stayed with me. A religion always has a political component, a conservative imperative. We should create a European religion. We should get the best of all religions in Europe. We used to joke that we are the Schengen
aber es ist tatsächlich so. The Germans have profited most of all from the eastward expansion of the European Union. First came the cheap Poles. Cheap Poles! European Union. A lot of people want to come here because they think this is stability. The longer you live here, the more you realize that it's just an illusion. Didn't understand. I'm Europe. You ask a lot of questions. I'm Europe. If there's something to ask, ask. Mais peut-être juste en trois mots, du coup, le projet de cette pièce, c'est d'examiner l'Union européenne et de braquer la loupe sur les promesses qu'elle fait en tant qu'institution et les mesurer à la réalité de ce que vivent les gens à l'intérieur et à l'extérieur de l'UE. Et ça, à travers un spectacle théâtral. Et du coup, le concept de cette pièce, c'est que ça s'apparente un peu à du théâtre documentaire, c'est-à-dire que pour créer le texte, en fait, le metteur en scène a fait interviewer par les comédiens et comédiennes 50 personnes avec des identités diverses, donc des personnes qui sont originaires de pays de l'UE, des personnes qui sont pas originaires de pays de l'UE, des personnes d'âge très différents, de genres différents, de backgrounds tout à fait variés. Donc, c'était vraiment l'idée d'avoir plein de perspectives différentes sur la question. Et donc, en fait, les performeurs ont interviewé ces personnes sur le sujet de l'Union européenne, leur rapport à cette institution, la vision qu'elles en ont, voilà, sur un tas de thématiques très variées en lien avec l'UE. Et du coup, le texte a été créé à partir des réponses de ces personnes aux interviews. Donc, en fait, toutes les phrases qui sont prononcées sur scène sont des citations de gens, en fait, de la vie de tous les jours, en quelque sorte, et de leur avis et leurs opinions sur l'UE. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une galerie, un kaléidoscope d'opinions de personnes concernées par le sujet. Et en fait, on pourrait dire qu'on est tous et toutes concernés sur le sujet, par le sujet, peu importe qui on soit et d'où on vient. Et voilà. Et du coup, sur scène, on a donc 4 comédiens et comédiennes. La forme de cette pièce, c'est ce qu'on appelle du théâtre post-dramatique ou de la performance, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'histoire, on n'a pas vraiment de personnage, puisque du coup, le texte, c'est un mélange, un patchwork, en fait, de toutes ces interviews.
Et donc voilà, c'est une forme de théâtre un peu particulière. Et en plus de ça, donc dans les coulisses de cette pièce, on a donc le metteur en scène dont j'ai parlé au début, deux dramaturges, une scénographe qui a fait donc le concept pour la scénographie que vous avez pu voir dans les vidéos, une costumière, donc ça c'était moi, une personne qui a fait la création lumière, une personne qui a fait la création son, et évidemment plusieurs assistants et assistantes qu'il est très important de mentionner parce que sans eux, on n'arrive à rien. Et du coup, un peut-être point aussi important, c'est que dans l'équipe, donc aussi bien sur scène que derrière la scène, on était tous des personnes avec pareil des nationalités très variées, des backgrounds très variés, des âges divers, donc autant de perspectives variées sur la question sur laquelle on s'est penché. Voilà. Alors ensuite, maintenant, j'aimerais bien vous parler plus précisément de mon travail à moi en tant que costumière sur cette pièce. Et donc, du coup, ce que je fais toujours quand je commence mon travail sur un projet, c'est évidemment des recherches sur le sujet, donc à la fois théorique et visuel. Et donc là, par exemple, j'ai beaucoup lu, relu sur la construction de l'UE, enfin l'historique en fait de la construction européenne. Je me suis beaucoup souvenue aussi de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des gens pendant la campagne des législatives. Donc ça, c'était super de pouvoir intégrer ça dans mon travail et mes recherches. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer mes recherches visuelles que j'ai fait pendant que je créais les costumes. Et donc, pour ça... Il faut que tu partages. Voilà, écran. Je vais... Là, Mathis, on voit mon écran? On est au top. Ok, super. Donc là, du coup, vous avez un aperçu des recherches visuelles que j'ai faites au tout début. Donc, je me suis pas mal intéressée à l'esthétique des bâtiments européens, enfin des institutions européennes. Donc là, par exemple, on peut voir sur cette photo la Banque Centrale Européenne qui surplombe la ville de Francfort. Je la trouve assez impressionnante, cette image. Ensuite, j'ai pas mal recherché aussi d'iconographie, enfin d'images, notamment les timbres anciens qui ont été créés au moment de la construction européenne, avec pour voir un peu quels étaient les symboles utilisés à cette époque, enfin qui revenaient. De fil en aiguille, la recherche visuelle, c'est souvent assez intuitif. Donc là, par exemple, ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était quand on me dit Union européenne, moi, je pense tout de suite à tous les drapeaux multicolores, le patchwork un peu de drapeaux avec cette esthétique très particulière, avec ces couleurs très criardes des drapeaux. Et voilà, du coup, je me suis beaucoup intéressée aux esthétiques patchwork, mélange de motifs, couleurs très tranchées les unes avec les autres. Voilà, et du coup... je continue à descendre un peu pour donner un aperçu. Les thèmes généraux qui ressortaient beaucoup dans mes recherches, c'était le décalage entre les valeurs et les idéaux que défend la construction européenne par rapport à la réalité en fait de ce que c'est actuellement l'Europe, à savoir une politique beaucoup plus économique que sociale et surtout une politique économique pas vraiment en faveur de la majorité de la population. Se rendre compte aussi en recherchant sur l'histoire de la construction européenne que historiquement parlant, la construction européenne, ça reposait vraiment sur la construction d'une union économique et que les aspects valeurs sociales en commun, c'est quelque chose qui est venu beaucoup plus tard. Et encore aujourd'hui, en fait, ça se ressent parce que même si, entre guillemets, de façade, je trouve, l'UE défend... ou à la volonté de défendre des valeurs communes, sociales, etc., dans les faits, quand on regarde ce qui prime beaucoup dans les politiques européennes, finalement, et qui prend un peu le pas sur tout, c'est le marché commun ultra-libéral. Je me suis aussi beaucoup intéressée à la dialectique entre la nécessité du consensus et en même temps la nécessité des dissensions pour pouvoir avancer. Le fait que l'Union européenne, c'est un agglomérat de plein de pays qui défendent tous des intérêts différents et que donc en fait c'est pas possible d'avancer sans devoir négocier les uns avec les autres et que du coup le conflit et le fait de devoir négocier c'est quelque chose qui fait partie intrinsèque de l'Union européenne et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappée pendant la campagne des législatives,
c'était l'impression que ce n'était pas possible d'être critique à l'égard de l'UE sans que tout de suite, ça veuille dire qu'on remet en cause l'existence même de l'Union européenne, alors que non, c'est quand même plus complexe que ça. Et du coup, pareil, un truc dont je me suis pas mal rendu compte pendant la campagne, c'était le rapport très émotionnel des gens à l'Union européenne. Le nombre de personnes qui m'ont dit « Non, mais pour moi, l'Europe, c'est hyper important. J'ai fait Erasmus. Et donc, par exemple, c'est impensable pour moi de voter pour des partis qui seraient pas pour l'UE. » Voilà. Et du coup, je trouve que c'est un point de vue un peu léger, personnellement. Mais en tout cas, ça dénote bien un rapport très émotionnel à la question. Et donc, en fait, ça m'a assez vite amené à l'idée de créer des costumes qui pourraient matérialiser, en fait, voilà le fait qu'on a tous et toutes un avis sur le sujet ou un rapport à cette question, à cette réalité. Et puis, par ailleurs, j'avais envie de créer des costumes qui soient modulaires, imbriquables, qui puissent permettre de créer, défaire, refaire des constellations entre les comédiens et comédiennes, parce qu'on a du coup 4 performeurs sur scène, mais l'Union européenne, c'est 28 pays. Donc, comment rendre compte de cette modularité, de ces alliances qui se font et défont? Et du coup, c'est comme ça que j'en suis venue à créer les pièces que vous avez vues dans les vidéos qu'ils portent sur eux, avec c'est ce que moi j'ai appelé des affects. Donc là vous avez un petit aperçu du premier design, on va dire. Et du coup, pour matérialiser les visions, les espoirs, les idéaux, les souvenirs. Les histoires, en fait, de chacun et chacune des personnes qui ont été interviewées pour créer le texte. Juste un petit check, Mathie, pour savoir si vous m'entendez toujours. C'est moi qu'on n'entend pas, mais oui, nous, on t'entend très bien. Ouais. Ok, d'accord. J'étais là, genre, ouais, si je parle dans le vide depuis tout à l'heure, ça va être un peu embêtant. Ok, du coup, je remets mon PDF en plein écran. Un instant. Voilà. Donc ces pièces comme ça qui peuvent porter et échanger les uns avec les autres, mais je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc là, on les voit aussi. Et du coup, un autre aspect important pour moi dans les costumes, c'était de matérialiser l'Europe forteresse. Et donc, du coup, là, ce qui m'a inspirée, voilà, c'était ces recherches que j'ai faites sur l'architecture des bâtiments des institutions européennes. Et donc, en fait, j'ai eu envie de créer une veste qui soit trop grande pour 3, mais trop petite pour 4, pour que les performeurs puissent jouer avec et devoir batailler pour entrer dedans à plusieurs, qui a le droit d'être à l'intérieur et qui ne peut pas. Ça, c'était aussi une part importante des costumes. Et du coup... Pour continuer à présenter, donc un instant, je reviens à l'écran. Donc là, c'était un aperçu assez rapide des costumes en général sur cette pièce. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer plus en détail donc ces pièces que j'ai appelées des affects. Je vais juste vous montrer plus en détail avec une vidéo qui est là. Voilà. Donc là, en fait, vous pouvez voir donc ces pièces que les comédiens et comédiennes portaient sur eux. J'avais fait 4 sets. Chaque comédien et comédienne avait son set, donc de chacun d'une couleur différente. L'idée étant qu'ils puissent être différenciés les uns des autres et qu'en fait, au bout d'un moment, au fur et à mesure de la pièce, les sets se mélangent. Donc toujours dans cette idée d'imbrication, de modularité, d'alliance qui se font et se défont. Là, vous pouvez voir dans la vidéo comment ça fonctionnait, le fait que ce soit modulaire et imbriquable. Donc, l'idée, c'était qu'ils puissent se scratcher, les pièces entre elles, mais aussi, utiliser le fait de les imbriquer les unes dans les autres. Donc, pour reprendre un peu cette idée de maillon d'une chaîne, de tissage, qu'en fait, j'avais trouvé, notamment sur les vieux timbres émis au moment de la création de l'Union. Et du coup, en fait, l'avantage de ces costumes, c'est que c'est en même temps des accessoires,
qui en fait ont été utilisées tout au long de la pièce pour pouvoir raconter différentes choses et créer différentes images. Donc il y a un moment de la pièce où c'est ce que les personnes qui émigrent dans un pays pour des raisons économiques doivent laisser derrière elles. Il y a un autre moment où c'est les biens qui ont été pillés à la période coloniale. Il y a un autre moment où ils s'en servent pour s'attacher les uns avec les autres et du coup se déplacer en même temps et escalader en même temps une tour faite avec les palettes de la scénographie. Et donc du coup là, c'est la difficulté d'avancer groupée et en même temps la nécessité d'avancer groupée. Et du coup, l'idée, c'était d'utiliser pour ces pièces des tissus très variés, donc de varier la multiplicité des matières et des textures, des couleurs, de travailler avec différents tissus, donc des tissus nobles, des tissus abîmés, des tissus anciens ou neufs, doux ou rêches, et donc vraiment de créer, encore une fois, un patchwork qui rappelle le patchwork de tous les drapeaux européens, par exemple, et qui rend compte de toute cette multiplicité des histoires et des trajectoires de vie de toutes les personnes qui ont été interviewées pour la pièce, mais d'une manière générale, en fait, de toutes les personnes qui sont concernées par la réalité de l'Union européenne à travers tout le globe. Et en fait, quelque chose aussi que j'ai vraiment bien aimé sur le fait de choisir, de designer ces costumes, c'était la possibilité de travailler avec beaucoup de matériaux de récupération. Je dirais que 75% des tissus environ de ces pièces, c'est des tissus que j'ai achetés de seconde main dans un magasin à Berlin qui fait de la récupération de matériaux. Le rembourrage, c'est du matériel que j'ai utilisé d'un ancien projet. Et donc l'idée maintenant dans mon travail, c'est quelque chose qui m'anime aussi beaucoup, c'est de réfléchir à comment produire en fait du théâtre et des arts vivants. Où est-ce que c'est possible de produire de manière durable, écologique et de pas être dans la surconsommation de matériaux, de matériel, de choses qui vont servir une fois et plus jamais. Et voilà. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel je réfléchis beaucoup et que du coup, j'étais très contente de pouvoir mettre ça en place sur ce projet. Et du coup, dernier point, j'aimerais revenir plus en détail aussi sur la Big Jacket qu'on a vu à la fin de la vidéo. Donc Mathis, est-ce que tu veux bien montrer la dernière vidéo? Du coup, l'idée de cette grande veste, qui en fait s'avère être une grande veste seulement quand ils la prennent et qu'ils la déplient, donc là comme je suis en train de le faire dans cette vidéo, l'idée c'était vraiment d'avoir l'Europe forteresse en un costume. Donc comme j'ai dit, l'inspiration visuelle et esthétique, c'était le style d'architecture dit style international qu'on retrouve beaucoup dans tous les bâtiments de l'Union européenne, enfin des institutions de l'UE. Du coup, pour cette veste, j'ai beaucoup joué avec des tissus métalliques, des tissus un peu brillants, lisses. En même temps, j'ai voulu utiliser le matériau, le faux tissu serpent pour faire un peu un twist avec l'aspect lisse et brillant des bâtiments. Et j'ai rajouté les morceaux de jaune fluo sur la veste parce que du coup, avec la lumière noire que le créateur lumière a utilisée à la fin de la pièce, ça rend vraiment l'aspect fluo et ça rappelle le balisage, l'aspect signalétique qui pour moi rappelle vraiment l'esthétique qu'on retrouve pour définir qui a le droit de se déplacer où. Et du coup, la scène de la fin de la pièce, c'est donc les performeurs qui sortent cette grande veste et qui sont un peu les uns après les autres dedans en essayant de négocier leur place à l'intérieur. Et du coup, ça ressemble à un être mouvant, insaisissable, une espèce d'hydre à quatre têtes. Et du coup, je trouve que ça va bien avec une des citations qu'on a à un moment dans la pièce, à savoir les décisions que prend l'Union européenne affectent plein de gens sur tout le globe. Donc, un peu cette impression de grosse machinerie à laquelle c'est pas possible d'échapper. Et voilà, donc du coup, l'idée de cette veste, c'était vraiment de matérialiser l'Europe forteresse et l'Europe de la technocratie sur scène. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup. Mille merci, Jeanne. Wow, c'était très, très complet. Et puis, la fameuse question, non, les dates, juste vite fait. Oui, malheureusement, du coup, la pièce a déjà été jouée. Donc, on a eu la première il y a 2 semaines environ. Ça a joué toute la semaine dernière. Et là, c'est fini.
Et du coup, mais on a tout bien emballé dans des cartons pour le cas où on rejouerait la pièce. Donc, si on a de la chance, eh ben, ça sera possible de la remonter. Et dans ce cas-là, je vous ferai savoir. Voilà. Bah, merci pour cette invitation pour la chronique culture. Et à la prochaine. Et à la prochaine invitation. Super. Ciao, Jeanne. Merci.